droite, à droite. À droite. Oui. Peux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. La force est en Christ. Si ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Alléluia, je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur par le nom de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur par le nom de Jésus, mon sauveur. La force est en Christ, la force est en Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le nom de Jésus, mon sauveur. Amen. C'est Jésus, le Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau libre et vainqueur. Le péché a fléchi, la sainteté règne maintenant. Car Jésus est Seigneur. Oui, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Il est sorti du tombeau libre et vainqueur. Tu as fléchi. Ben maintenant, car Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Il est sorti du tombeau libre et vainqueur. Car Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau libre et vainqueur. Règne maintenant, car Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Franck, on a combien de temps? Franck! Franck! On a combien de temps de. On est arrivé, c'est juste après le pont là. On descend à droite après le pont et c'est juste un arbre qui est derrière là-bas. Donc on va descendre comme ça. T'as vu là? Ouais, le ciel. Voilà. Ok. Ouais. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse éternelle. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Béni soit le nom qui vient au nom de l'Éternel. Béni soit le nom qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Bénissant de la maison de l'Éternel. Viens porter ton refuge en l'Éternel.
confier à l'homme que de se confier au corps. Mieux vaut chercher un refuge en l'éternel. Que les nations m'environnaient au nom de l'éternel, je les porte de pièce. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'éternel, je les taille en pièces. Elles s'éteignent comme un feu d'épis. Au nom de l'éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'éternel m'a secouru. L'éternel est ma force, et le seul geste me dérange. L'éternel est ma force, c'est lui qui m'a sauvé. Je dis dans les tentes des justes, la gloire de l'éternel manifeste sa puissance. La gloire de l'éternel est élevée. La gloire de l'éternel manifeste. Attends, je vais avancer. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Que ta bonté, bonheur de la vie, que ta bonté, vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. J'annoncerai ton nom à mes frères, j'annoncerai ton nom à mes sœurs, et je leur dirai que tu les aimes, car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. J'annoncerai ton nom à mes frères, j'annoncerai ton nom à mes soeurs, et je leur dirai que tu les aimes. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Man. Ah, il y a un beau soleil, Seigneur. Dieu tout puissant,
que cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Comme mon sauveur, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, rien n'est plus grand que ton amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, rien n'est plus grand que ton amour. Merci. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Acclamons. Donc voilà le grand jour tant attendu, où nous allons mourir avec le Seigneur Jésus-Christ et ressusciter en lui, en étant une nouvelle créature, étant dépouillé du péché. C'est le jour de la repentance, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Vous avez été édifiés hier, vous avez été préparés. Le merveilleux frère Modeste vous a enseigné. Depuis des années, vous avez reçu des enseignements pour vous amener à la repentance. Et c'est le moment où il n'y a plus de marche en arrière. C'est le moment où vous allez traverser véritablement le pont qui vous amène à laisser la vie passer et de vous porter vers la nouvelle vie en Jésus-Christ. Nous allons donc entrer dans les eaux du baptême. Quelques frères parmi nous procéderont au baptême. On va commencer par baptiser les bergers. Et je ne sais pas si... je pense que c'est merveilleux d'avoir des merveilleux bergers comme Franck, Dimi, Cyril et les autres de l'église de Paris. Modeste, par la grâce de Dieu, a fait du bon travail. Mais il est temps, j'en parlerai tout à l'heure, il est temps que votre assemblée vole de ses propres ailes. Que vous puissiez vous occuper de votre assemblée. Que le frère Modeste et moi, nous soyons des invités. Et ma joie est tellement grande parce que il y a 10 ans, je venais dans cette ville pour établir les prémices. On doit vous voir. Pour établir les prémices de cette assemblée. Et beaucoup sont venus, comme Maurice disait il y a quelques temps, connectés depuis Zoom. Beaucoup sont venus, sont partis, mais je vois quelques-uns parmi vous, vous avez tenu ferme. Rien ne
C'est pas, ce qui est plus important, ce n'est pas de commencer à tenir avec le Seigneur, mais c'est de persévérer jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière seconde. Et je rends grâce à Dieu pour la persévérance des uns et des autres. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Vous pouvez bien commencer et mal finir. C'est l'occasion de persévérer, persévérer, persévérer jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de persévérer. Donc, nous allons procéder. Je vais d'abord commencer par les anciens, en commençant par Franck. Je pense que Dimi, prends plutôt la caméra, remplace Dimi à la caméra. Non, non, toi, s'il te plaît, frère, jeune frère, remplace Dimi à la caméra. Assure-toi que il y a le décompte toujours, il y a le décompte. Donc les anciens, Franck, Dimi et Cyril d'abord. Ah ok, d'accord, sorry Dimi. Oh, voilà, donc c'est bon. Donc Franck, Franck, Cyril, Frédéric, venez. Et donc voilà. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu. Nous te rendons grâce, nous te remercions pour ces grands moments que tu as rendus disponibles, Seigneur Dieu, par l'autorité et la puissance que tu nous as donnée en Christ Jésus. Nous réduisons au silence tout obstacle, tout esprit impur qui a été commandité pour accompagner qui que ce soit. Nous les réduisons au silence. Nous proclamons la Seigneurie du Seigneur Jésus-Christ dans ces eaux. Que tout esprit des eaux soit réduit au silence. Que tout monstre, que tout reptile, physique ou spirituel, visible ou invisible, soit réduit au néant. Merci Seigneur, reçois favorablement les âmes de tes enfants qui ont décidé de se consacrer à toi. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Mon frère Franck, te voici devant le Seigneur Jésus-Christ, que tu as si bien commencé à servir. Te voici à présent les frères et sœurs témoins devant Dieu, notre Père qui est dans les cieux, par son Fils Jésus-Christ qui est à sa droite et devant les anges. Tu vas mourir. Ainsi que vous tous ici, je n'aurai plus à répéter cela, vous tous allez mourir en entrant dans ces eaux et vous allez ressortir de ces eaux en étant une nouvelle créature. Et manifester Philippiens chapitre 3 verset 13, les choses anciennes sont passées, oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant et je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Donc, par la grâce de Dieu, au nom de Jésus-Christ, son Fils, en présence du Saint-Esprit et des anges, tu entres dans les eaux du baptême. Tu entres dans les eaux du baptême et tu ressors étant une nouvelle créature en Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donne-lui, je pense qu'on n'a même pas besoin des chaussures. Des chaussures. Ouais. On n'a pas besoin des chaussures. Ça. Bonjour. En fait, j'avais... Comme
enfants qui viennent d'être baptisés. Oui, tout à fait. Ce n'est pas mieux qu'ils restent avec, qui reste, avec voilà. toi dans l'eau pour plonger les gens. C'est ça quoi j'ai pensé justement. Oui. C'est ça quoi j'ai pensé. Doucement, Franck. Franck, attends-moi ici. Tenez-le bien. Okay. Tu as froid? Franck, tu as une chemise là, en plus. Tu as une chemise en plus. Non. Donne-lui une serviette ou je sais pas pour qui se. Enfin, qui. Oui, qui... Non, c'est bon, ça va. Ok, c'est bon. Ok. Cyril. Tu peux me mettre derrière lui. Cyril. Jusqu'à présent, tu as persévéré dans la voie du Seigneur malgré les hauts et les bas. Tu as reçu une flèche dans le cœur il n'y a pas longtemps. Tu as eu une tribulation qui est insupportable. L'ennemi t'affligeait pensant qu'il devait t'amener à la perdition, à perdre la foi. Malgré toutes les blessures que tu as eues, avec larmes, avec pleurs, tu as persévéré jusqu'à aujourd'hui. Cette persévérance ne sera pas en vain devant notre merveilleux Père, le Dieu infiniment grand, le seul vrai Dieu. Cette persévérance ne sera pas en vain. Voilà donc qu'après ces années de persévérance, en dépit de toutes les blessures que tu as reçues, de toutes les flèches, tu es sur le point de véritablement mourir aux passions d'antan, que ce soit les passions de la politique, que ce soit les passions du sport, que ce soit les passions que tu as laissées dans ta Côte d'Ivoire natale. Laisse ces choses en arrière, mon frère Franck. Oublie ces choses. Mon frère Cyril, oublie ces choses. Renouvelle ton intelligence. Cours vers le but. Et sans plus regarder en arrière. Et surtout, que l'amour et la paix du Seigneur Jésus-Christ remplissent ton cœur et que tu sois délivré de tout esprit qui voudrait t'amener à la perdition. Ayant proclamé ces choses inspirées par le Saint-Esprit, je t'amène donc à mourir, à entrer dans les eaux du baptême au nom de notre merveilleux Père, le Créateur de tout l'univers, par son Fils Jésus-Christ, et par l'assistance du Saint-Esprit devant les anges, à mourir et à revenir à la vie éternelle. Frédéric, mon frère, tu es une nouvelle créature. Par l'autorité que nous avons en Christ Jésus, j'anéantis tout esprit de chefferie qui te lie au Cameroun. Tout esprit de chefferie, tout esprit animalier attaché aux traditions des ancêtres. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui a été proclamé en ton nom, devant toi ou hors de toi, en ta présence ou hors de ta présence, tout ce qui a été prononcé comme parole sur ta vie pour te lier aux idoles des ancêtres, aux traditions des ancêtres, nous les révoquons aujourd'hui maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es une nouvelle créature. Les liens spirituels familiers, les liens spirituels d'idolâtrie, tout cela est anéanti et par l'autorité que nous avons en Christ Jésus, nous plaçons une muraille
qui descend depuis les profondeurs de la terre jusqu'aux cieux les plus élevés. Voilà donc, ayant proclamé cela, et ayant accepté de te repentir, et Dieu t'ayant donné le don de la repentance, nous t'amenons à mourir au nom de notre Dieu et Père, par son Fils Jésus-Christ et devant le Saint-Esprit, devant les anges, à devenir une nouvelle créature. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui. Mon frère Paulin, Hervé, mon frère Hervé, nous rendons grâce à Dieu pour ta vie. L'ennemi, depuis longtemps, voulait abattre ta vie. Si tu en vis aujourd'hui parmi nous présentement, c'est par la grâce de Dieu que tu sois parmi nous actuellement. Dieu, depuis toutes ces années, t'a préservé de la mort, depuis l'Afrique jusqu'à cette région où nous sommes actuellement. L'Éternel Dieu t'a préservé la vie pour que non seulement tu sois maintenu en vie sur cette terre, mais que tu reçoives le plus grand don qui puisse être sur la terre, le don de la repentance, le salut en Jésus-Christ, la mort en Jésus-Christ et le renouvellement de la vie éternelle en la vie éternelle en Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu notre Père, devant son Fils Jésus-Christ, en présence du Saint-Esprit, et des anges qui sont dans les cieux et de tous les témoins frères et sœurs actuellement. Tu meurs en Jésus-Christ. Tu reviens en lui pour la vie éternelle. Amen. 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 Il y a encore des frères? Ok. Mon frère Rudy, nous rendons grâce à Dieu pour ta présence ici. Je ne te connais pas véritablement, mais je peux rendre grâce à Dieu de ce que Dieu t'a délivré des passions de la jeunesse. Comme la plupart des jeunes ici. Ce baptême, c'est la manifestation du plus grand don de Dieu qui puisse être sur terre. Mon frère lui dit, je t'exhorte à mourir véritablement et à fuir définitivement toutes les passions de la jeunesse, à ne plus jamais retourner en arrière, le football, la musique, les mauvaises compagnies et à t'affectionner uniquement aux choses d'en haut et non plus celles qui sont sur la terre. En tant qu'un jeune, Dieu
Dieu t'amène à être un exemple, merveilleux modèle pour les autres jeunes. En réserve, en chasteté, en pureté, en modestie, en humilité. Ayant proclamé ces paroles, que je t'encourage, ne jamais oublier jusqu'à ce que tu quittes cette terre. Nous te conduisons à entrer dans les eaux du baptême, à mourir en Jésus-Christ, au nom de notre Dieu, notre Père, par Jésus-Christ, au nom du Saint-Esprit. Amen. Amen. Il n'y a plus de frère. Il n'y a plus de frère. Il y a le frère Dolph qui. Non, c'est bon. Dolph ? C'est bon, il n'y a plus de frère. Ok. Des sœurs. Maintenant, les sœurs qui doivent se baptiser, mettez-vous ici et les autres, laissez-les. Décalez-vous de mettre les sœurs qui doivent se baptiser. Toutes les sœurs qui doivent se baptiser, mettez-vous ici. Toutes les sœurs qui vont se baptiser. Toutes les sœurs qui doivent se baptiser. Mettez-vous, décalez-vous une seconde. Vous ne vous baptisez pas, c'est ça? Donc, c'est bon? Ok. Donc nous en avons combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Nous allons commencer par Aimé et nous allons terminer par Marie. Tu vas t'asseoir tout à l'heure. Il faudrait t'asseoir carrément. Mais c'est toi ici. Non, pas maintenant. Tu vas t'asseoir. Pas maintenant. Tu vas te rendre compte. Et c'est comme ça. Manger. Vous vous asseyez. Comme si vous asseyez à l'eau et on vous serait mieux. Ok. Notre chère sœur aimée, depuis des années, tu as persévéré malgré les hauts et les bas, malgré les doutes, malgré les peurs, mais Dieu t'a donné la grâce de persévérer dans la foi, de te pas faire. Et aujourd'hui, tu prends la plus grande décision qu'un être humain peut prendre sur terre, mourir en Jésus-Christ et renaître. Par le pouvoir et l'autorité qui nous a donné en Christ Jésus, je prends autorité sur toutes les forces du vaudou auxquelles tu as été exposé depuis ton enfance jusqu'à présent. Et que tout baptême, physique ou invisible ou spirituel, à ta présence ou hors de ta présence, en ton nom ou devant toi, que tous ces baptêmes soient révoqués maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tu deviennes une nouvelle créature. Que tout nom qu'on t'a donné dans les lieux ténébreux soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qu'on t'a donné à manger, de manière visible ou invisible, de manière physique ou spirituelle, soit purifié maintenant par la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ, par son sang qui purifie tout. Oh Seigneur Dieu, merci pour aimer. Merci pour sa fille. Merci pour la délivrance que tu accordes à cette famille. Voilà donc comment aimer. Par la grâce, la bonté imméritée de Dieu, tu vas entrer dans les eaux du baptême et nous allons te baptiser au nom de Dieu par son Fils Jésus-Christ. On va reprendre. Nous allons te baptiser. Tu as commencé à être baptisé. Mais cette main doit entrer, tout doit entrer. C'est toi, n'aie pas peur. Nous allons te baptiser. Voilà. Voilà. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur.
il faut un frère ici. Evelyne. Quand on sera prêt, tu vas tous le battre à soi. Essaye. Essaye de mettre. Fais la robe comme ça, tu manques les jambes. Mets la robe dans les jambes. Et tu bloques les jambes. Voilà. Tout à fait. Les mains doivent entrer. Pour éviter. Evelyne, notre bien-aimée sœur, c'est un grand jour. Un jour tellement grand. Ce jour du mercredi, le 21 août de l'an de grâce 2024. Un jour où tu vas. Ses cheveux, ça va. Le voile est transparent comme ça. Un jour où tu vas ancrer dans les eaux du baptême. Rappelle-toi tous ces ennemis depuis l'enfance jusqu'à présent qui pensaient pouvoir t'amener à la perdition. Par toutes sortes d'esprits, esprits d'étourdissement, esprits de folie, esprits d'égarement, esprit de sorcellerie. Mais le Seigneur Dieu n'a pas permis que quoi que soit t'arrive. Et tu as été en vie jusqu'aujourd'hui. Et tu es prête à ancrer dans les eaux du baptême. Evelyne, ma soeur bien-aimée, ne retourne plus jamais à ce que tu as vomi. Ayant proclamé ces paroles inspirées par le Saint-Esprit, nous allons t'amener à ancrer dans les eaux du baptême. Ce qui est de mourir au nom du Père, par Jésus-Christ son Fils, par le Saint-Esprit devant les anges. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Sandrine, bien aimé ça. Mets le pied ici, regarde, mets le pied là, je ne tape pas avec le pied avant. Non, tape avec le pied, tape. Voilà, tape, c'est bon. Je pense que c'est bien. Mets la robe comme Evelyne. Tu enveloppes, tu prends par derrière, tu couvres entre les jambes. Voilà, tu bloques entre les jambes, voilà. Voilà, super. Super, voilà, c'est bon. Super, c'est bon à ton niveau. C'est bon, je me rapproche. Ça va, tu as trouvé. Ok, c'est bon. Sandrine, Dieu t'accorde la délivrance aujourd'hui. Dieu t'accorde la paix. Dieu t'accorde la joie. Que toute amertume sorte de ton cœur au nom de Jésus-Christ. Que toute colère sorte de ton cœur au nom de Jésus-Christ. Pardonne à tous ceux qui t'ont fait du mal. Aime-les. Prie pour eux. Quand ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Quand il a soif, donne-lui à boire. Ce sont des charbons ardents que vous déposez sur la tête. Pour vous qui avez été dimanche passé, vous avez suivi le témoignage merveilleux du couple Roger et Claudine, comment une sorcière de 11 ans est venue chez elle, a presque tué le mari que Dieu a délivré du coma et de la mort. Malgré cela,
Claudine avait toujours avait cet enfant sorcière et meurtrière avait la tête de l'enfant posée sur son sein. Exactement comme la tête d'un disciple qui n'était même pas dit de l'amour de Jésus-Christ était posée sur la poitrine du Seigneur Jésus-Christ. Que cela nous serve tous d'exemple, nous ici réunis, et toi particulièrement, Sandrine. N'en veux pas ceux qui t'ont fait du mal. Que ce soit un homme, que ce soit une femme. Que la colère sorte de ton cœur définitivement. Et que tu vives dans la paix, dans l'amour. Mets la joie dans ton cœur. Chante beaucoup les cantiques. Mets ta confiance en Dieu. Ne t'inquiète pas de l'avenir. Ne te soucie de rien. Ayant proclamé ces prophéties inspirées par le Saint-Esprit, nous t'accompagnons au nom du Père, par Jésus-Christ son Fils, par la vertu du Saint-Esprit, devant les anges, à entrer dans les eaux du baptême, à mourir et à ressortir dans Jésus-Christ étant une nouvelle créature. Amen. Voilà. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ça Déborah. C'est bien. C'est vraiment zoom là méchant hein. Comment ça hein? zoom là de tout. Les gens ont un visage vraiment plus. Ou alors c'est peut-être la lumière. Ah, les visages sont clairs. Zoom rajeuni. Ça va? Éternel Dieu Tout-Puissant, merci de ce que tu as eu pitié de Déborah jusqu'à présent. Tu l'as gardée malgré ses faiblesses, malgré ses imperfections. Oh Seigneur Dieu, ce que tu as commencé dans la vie de Déborah, nous t'en supplions, achève-le. Merci de ce que tu as donné à cette femme, de se dépouiller des attraits du monde, des mondanités, des frivolités, et de devenir une nouvelle créature, Seigneur Dieu. Nous t'en supplions, mets véritablement une muraille entre sa vie passée et sa vie présente. Seigneur Dieu, dès à présent, jusqu'au restant de ses jours, donne-lui de résister à toutes sortes de tentations. Oh, merveilleux Père, merci pour Déborah. Merci pour tout ce qui lui sont chers. Merci pour la haine de protection que tu as mise autour d'elle. Merci de ce que tu l'as protégée lors du voyage par route, par autoroute, depuis Lyon jusqu'ici. Maintenant, nous te remercions davantage pour ce plus grand trésor que nous n'avons pas voir sur terre. Le trésor du don de la repentance, de la mort en Jésus-Christ et de la résurrection. Déborah, devant Dieu notre Père, en présence de ton Fils Jésus-Christ, par la vertu du Saint-Esprit devant les anges qui sont dans les cieux, tu entres dans les eaux du baptême et tu ressors étant une nouvelle créature en Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Seigneur Jésus-Christ. Je suis en train de dire à Franck que finalement les sœurs se ressemblent. Regardez Candice et Evelyne. Dites-moi si je me trompe. Candice est tellement discrète que je l'ai rarement vue. Mm-hmm. Elle est discrète. Ce n'est pas un reproche, Candice. Tu sais quoi? Fais ta robe aussi. Ça va? Pour Candice? Fais ta robe aussi. Pour Candice? Lui-même va la baptiser. Pour Candice? Je suis inspiré qu'on change et tu vas revenir. Donc, baptise ton épouse. Va à Dieu. Candice, fais ta robe comme chante avec les autres. Attends. Ouais. Mets ta robe comme tu le montes. Mets ta robe comme les autres. Voilà. Voilà. Pas avec les pieds. Fais mieux. N'aie pas peur. Dès que tu as trouvé un endroit stable. N'aie pas peur. Écoute. Dieu est avec nous. N'aie pas peur. Rien ne peut t'arriver. C'est bon? Hein? Vivant, tu bloques avec les genoux. Voilà.
Donc nous te passons la parole selon que Dieu t'inspire. Voilà. Ok. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham. Merci, ô Dieu d'Abraham, pour ta fille Candice. Depuis le jour où tu m'as fait la rencontrer jusqu'à aujourd'hui, Père Céleste, nous ne sommes plus seulement un dans la chair, mais un aujourd'hui en esprit, par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils. Éternel Dieu, délivre ta fille de toute peur, de tout doute. Éternel Dieu, et brûle et détruit toute alliance qui a été faite dans les ténèbres contre elle, soit dans sa famille, Éternel Dieu, soit dans une source que nous ne connaissons pas, mais que tu connais. Nous te supplions, Père, libère ce cœur de la peur, de la crainte, et remplis-le, Éternel Dieu Tout-Puissant, de ton amour et de ta force. Merci, Éternel Dieu, pour cette merveilleuse femme, ta fille, mon épouse, que je te confie. Fais-lui grâce de persévérer jusqu'à la fin, Père. Je t'en supplie, afin qu'elle soit sauvée et pour qu'elle rentre dans le royaume de ton Fils. C'est pourquoi, Candice, ma tendre et chère épouse, ma sœur, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il reste combien? Combien de personnes au total? Evelyne. Micheline, ok, c'est bon. Je vous assure, je vous promets, avant que je le quitte, dans quelques années, je veux connaître le nom de tout le monde. Fais-moi confiance. Je me concentre d'abord ici aujourd'hui. Fais-moi confiance. Attention, des petits tarots, petits trop. Il y a Jared qui demande si on peut baptiser les enfants. Non, on peut baptiser les enfants. Bon, la question c'est oui. Mm-hmm. La question c'est oui. Ça dit qu'enfant à partir de 12 ans, mm-hmm. on décide c'est oui, mais réfléchissez bien. Ouais, c'est possible, mais allez bien réfléchir. Allez bien réfléchir. C'est bon? Allez bien réfléchir. Voilà. Voilà. Candice, c'est bon. Décalez-vous un peu, s'il vous plaît. Faites un passage derrière vous. C'est bon, Candice. Faites un passage derrière vous. Faites un passage. Ah oui, c'est une promenade. Ça va? C'est bon, Micheline? Ça va? Attends, avec les pieds, dès que tu trouves la place qu'il faut, tu pourras te... C'est bon. C'est bon? Donc, moi je la tiens ici. Okay. C'est bon là, tu peux la lâcher. Stabilise-toi. D'accord. Attends. Soulève le pied. C'est bon? Non, en fait, même si ça rentre, t'inquiète pas, ça. Même si ça rentre là, ça va, ça va. À un moment, ça va se stabiliser. Ça va se stabiliser, ne t'inquiète pas. Ça va? Micheline, regarde-moi. Tu as la paix dans le cœur. Tu veux dire quelque chose? Nous t'écoutons, parle. Parle, nous t'écoutons, vis ton cœur. Merci Seigneur. Merci Dieu.
pendant toutes ces années. Ma vie n'a pas été conforme à la parole de Dieu. Le Seigneur m'a gardé. Malgré que je pensais vouloir lui plaire, mais il y avait beaucoup de bas. Et je lui ai demandé pardon et aujourd'hui je sais que c'est un grand jour. Parce que je dois tout abandonner pour pouvoir le suivre. Je le remercie pour tout. Je le remercie parce que il me montre qu'il est toujours là pour moi. Il me montre qu'il est là. C'est vrai que quand j'ai des épreuves, j'ai peur et j'abandonne. Je ne crie pas à lui. Mais il m'a montré cette fois-ci qu'il était là avec moi, malgré les difficultés, malgré les épreuves, qu'il était là et que j'étais pas seule. Et je veux le suivre, je veux vraiment suivre le Seigneur, car je sais que sans lui ma vie n'est rien. Sans lui ma vie n'est rien. Et je demande à ce qu'il me change totalement pour la seule gloire de son nom. Amen. 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 Oh Seigneur, merci. Merci. Merci Seigneur. Merci. Oh Père, nous te rendons grâce pour le don de la repentance que tu as accordé à Micheline. Oh Père, il n'y a pas de mots pour te dire merci pour l'amour que tu lui as manifesté, pour la patience que tu lui as manifestée. Il n'y a pas de mots, oh Dieu Père. Nous voulons crier de joie, appelant Gosier pour te remercier, pour Micheline et tous les frères et sœurs ici présents à qui tu as accordé le don de la repentance. Oh Seigneur Dieu, que tout esprit impur qui a été commandité pour perturber la santé de Micheline soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Amen. Que tout esprit qui ne te glorifie pas dans la vie de Micheline soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Dieu, merci infiniment pour le don de la repentance. Micheline, le Seigneur Dieu est en effet, je confirme, t'a manifesté son grand amour, un amour immérité, un amour dont on n'a même pas dit un tout petit peu. C'est par ce grand Dieu, au nom de ce grand Dieu et de son Fils Jésus-Christ, et par la vertu du Saint-Esprit en présence des anges dans les cieux, que nous t'amenons à ancrer dans les eaux du baptême, à mourir en Christ Jésus, à mourir et à ressusciter avec lui. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus. Amen. Rentre pas. Marie, essaie de glisser. Assieds-toi, glisse doucement. Voilà. Ok. Ok. Tu m'as passé ici. Marie, bloque ta robe comme tu peux faire. Ok. Super, super, super. 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 Merci Seigneur Dieu pour Marie. Oh Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour cette femme qui se présente devant toi et devant nous ici, des témoins aujourd'hui. Si tu n'avais pas été avec cette femme, elle serait morte depuis Haïti, depuis longtemps Seigneur Dieu.
Oh Seigneur Dieu, tu as vu comment elle a été attaquée, et même il n'y a pas longtemps, par les esprits impurs du vaudou. Oh Seigneur Dieu, nous te rendons grâce de ce que tu as caché cette femme. Et tu l'as rendue invisible à toute flèche de vaudou, à tout esprit impur, à toute manifestation. Seigneur Dieu, vois comment cette femme s'est attelée à te plaire en élevant ces enfants que tu lui as donnés dans la crainte de ton nom, dans l'amour de toi, de ta parole, de ton fils Jésus-Christ, et dans la chasteté, la sanctification, Seigneur Dieu, nous t'en supplions, fortifie cette femme. Ce qui manque dans sa vie spirituelle, ou dans sa vie matérielle, ou dans sa vie physique, nous t'en supplions, Seigneur Dieu, ajoute et comble. Merci pour ces enfants. Oh, Seigneur Dieu, regarde ces pays dans lesquels nous élevons nos enfants, comment ils sont déroutés, comment ils sont tentés de ceux qui sont malmenés. Mais tu nous as donné une promesse. Élevons les enfants selon la voie qu'ils doivent suivre, afin que devenu grand, ils ne s'en détournent pas. C'est pour cela que je te confie les enfants de Marie, comme les enfants de tout un chacun ici présent. Nous te confions nos enfants et t'ayant remercié pour cela, et t'ayant remercié pour toutes ces choses dans la vie de Marie, nous voulons te remercier spécifiquement pour le plus grand don qui puisse être dans la vie d'un homme, le don de la repentance, le baptême, qui est mourir en ton fils Jésus-Christ et ressusciter étant une nouvelle créature. Marie, devant Dieu, notre Père merveilleux, glorieux, infiniment grand, au nom de son Fils Jésus-Christ, par la vertu du Saint-Esprit, nous t'amenons à mourir en Jésus-Christ et à ressusciter avec lui pour être une nouvelle créature pour la vie éternelle. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur la repentance. Merci Seigneur. Merci mon Dieu la repentance. Merci Seigneur. Merci Seigneur nos vies changées. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ma vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ma vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci, merci, merci. Merci, merci. Merci, merci.